parlera en moi. J'ai un peu peur, je vous l'avoue. J'ai entendu des choses pas drôles du tout. En même temps, j'en rêve tant de ce grand moment qu'arrive mon printemps. Ma pensée sur le corps, il a forcé la porte de ma féminité. Il m'a sali, a pris ma vie. Il a fait faner mes fleurs. J'ai honte, j'ai peur. Je voudrais juste me cacher dans un profond trou noir, m'endormir pour toujours, ne plus me sentir, ne plus me voir. J'avais des rêves de passion et de partage. Maintenant, j'en ai plus le courage. J'aime être honoré, j'aime apprendre et enseigner l'art de l'amour et du plaisir en toute liberté. Dans chaque rencontre avec l'autre, dans chaque instant de partage, c'est comme une communion des sens, une fête, une danse, c'est l'expression. Maintenant je le sens dans mes os, le temps a sillonné ma peau, mais dans mon ventre je sens encore pourtant cet appel à accueillir mon amant. J'ai connu hommes et femmes, intense étreinte et douce flamme. Tout ça est gravé dans mon corps tremblant, mes mains qui caressent tendrement. Et si j'oublie la beauté de qui je suis, et si je me perds dans les douleurs de la chair, j'aimerais nous rappeler de toutes ces grandes
j'ai osé dire oui. Je veux me rappeler de ce corps de femme que j'ai appris à aimer, qui m'a fasciné par ses mystères, a fait de moi une sensuelle grand-mère. Parfois, le corps nous emprisonne, le plus souvent.